Salut, c'est Philippe. J'espère que vous avez la forme. Moi, tout va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur un casque donc Bluetooth en wireless que j'ai commandé et que nous allons tester ensemble. Donc on se retrouve pour l'unboxing du casque. Donc ce casque audio Bluetooth stéréo est pliable et multifonction. Donc là on a choisi nous le noir, vous voyez il est en plusieurs couleurs. Donc une boîte sobre, donc toujours pareil avec le produit dessiné dessus, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Donc ce casque permet de lire directement et de façon autonome des cartes externes et bien sûr d'écouter de la radio aussi. Donc voilà, on le sort de sa boîte. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, t'abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide beaucoup et je t'en remercie. Donc on y trouve comme d'habitude bien sûr la notice, donc là rien d'extraordinaire, et on va retrouver notre casque avec les deux câbles, câble de chargement. Et il est compatible avec tous les appareils puisque si certains n'ont pas le Bluetooth, le casque est fourni avec un câble jack de 3,5 mm. Je pense par exemple pour mes vieux AirPods MP3, c'est plutôt intelligent et bien réfléchi. Donc il se plie au niveau des oreillettes. Voilà, se déplie bien sûr. Il s'adapte à différentes têtes, grosses comme petites, avec les différents réglages. Le tout est en plastique avec ses deux couleurs or et noir et ce noir laqué. Vous avez vu, donc je peux un petit peu le tordre, il n'y a pas de souci. Ça ne bouge pas. La marque sur le côté, laqué, les bonnettes sont très confortables en simili-cuir. Juste peut-être le reproche, effectivement, elles sont un peu petites. Donc pour les petites oreilles, c'est bien, les grosses oreilles, un peu plus compliqué. Donc la protection au niveau de la tête, pareil, et toujours ce côté noir laqué. Alors oui, par contre, les traces de doigts là-dessus, elles vont se voir. Les différents emplacements, donc pour le 3.5, le chargement et les cartes SD, les boutons, boutons classiques, allumage, éteindre bien sûr, et le changement de musique, et de se mettre, puisqu'il accepte la radio aussi. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.